Salut mec, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée d'Anthony au Barça. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à liker et de t'abonner avec la cloche de notification. Ça reste, c'est évidemment, c'est logiquement le plus important. Je compte sur vous et on est parti pour parler de l'arrivée d'Anthony au Barça. D'après les dernières informations de la presse espagnole, la pépite brésilienne de l'Ajax, Anthony pourrait débarquer au Barça la saison prochaine lors du prochain mercato estival 2022. En quête de renfort offensif pour la saison prochaine, les hommes de Xavi Hernandez, le FC Barcelone, garderaient un œil attentif sur Anthony de l'Ajax, suivi aussi très près par le PSG. D'ailleurs, pour Daniel Vess, qui ne serait pas contre une arrivée de son compatriote brésilien au Barça, sa progression fulgurante n'est clairement pas une surprise. Lors du prochain mercato estival 2022, plusieurs attaquants pourraient bien quitter le Barça. De ce fait, le président du FC Barcelone serait à l'affût de la moindre bonne opportunité sur le marché des transferts afin de pallier ses potentiels départs, comme notamment le futur départ d'Ousmane Dembélé à la fin de la saison. Jusqu'à présent, des joueurs comme Erling Haaland, Robert Lewandowski, Mohamed Salah et Anthony ont été liés au club Blaugrana. Pour ce dernier, très apprécié par Neymar, la direction du Barça se tient prête à dégainer son offre, comme vous l'a révélé le Disport il y a quelques temps. Mais la concurrence se fait fluide sur ce dossier, puisque des équipes comme Manchester United et le PSG aimeraient également s'attacher les services du Brésilien de l'ailier de l'Ajax Amsterdam, Anthony. D'ailleurs, pour Daniel Vess, qui ne serait pas contre l'arrivée d'Anthony au Barça, l'impressionnante montée en puissance du Brésilien n'est pas un hasard. Le défenseur et la légende du FC Barcelone, Daniel Vess, a affirmé dans un entretien accordé à Mundo Deportivo qu'il serait pour l'arrivée du jeune Brésilien de l'Ajax Amsterdam, Anthony, au Barça. Est-ce que je fais pression pour l'arrivée d'Anthony? Je n'insiste pas, mais j'ai parlé de lui. Si vous me demandez, je parle des joueurs de mon point de vue. D'après les informations, je l'ai eu avec moi, je l'ai vu grandir. Et quand je suis arrivé à Sao Paulo, les gens le critiquaient vraiment. Et j'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils font? C'est le meilleur joueur qu'ils ont ici depuis longtemps. En tout cas les gars, l'arrivée d'Anthony au Barça, ça chauffe de plus en plus. Voici en tout cas les gars pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que selon toi, l'arrivée d'Anthony au Barça est vraiment une bonne idée? En tout cas les gars, n'hésitez surtout pas à liker, de vous abonner avec la cloche. Ça reste, c'est évidemment, c'est logiquement le plus important. Je compte sur vous et salut, à la prochaine.